Bonjour, je vais vous présenter le livre Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 11 ans. Il y a un truc que j'aime beaucoup et qui est très original, c'est que Riyad Sattouf, il a interviewé la petite Esther et il a du coup raconté son quotidien, sa vie dans plusieurs albums. Ça, c'est le deuxième album, il y en a bientôt un nouveau. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est déjà l'originalité de ce que je viens de vous raconter. Que l'héroïne, elle soit très attachante, qu'elle raconte sa vie des copines, des disputes, de sa colonie de vacances. Ça, c'était dans l'autre album, mais enfin, faut voir tous les albums. Ses parents, sa mère, son père, son frère qui est en pleine crise d'adolescence. Son quotidien, quoi. Je pense que c'est un livre où ça peut convenir à tous les âges. Je pense qu'il faut vraiment voir ce livre, cette BD. C'est Esther, c'est la petite Esther, celle où toute sa vie se passe plein de trucs, celle où on voit le quotidien il y a quelques années, des élections pour l'autre album, où elle rêve de toutes sortes de choses. Dans l'autre album, elle rêvait d'avoir un kiddie secret. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle rêve de toutes sortes de choses. Elle commence à avoir des boutons, alors elle trouve un remède. Elle adore de la tarte aux fraises. Et voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment lire. Ça convient vraiment à tous les âges. Voilà. Bisous.